tirer un petit tour de carte. Oui. Ça m'a été montré il y a très longtemps. Et je vous montre parce que j'aime bien ce tour, c'est un effet qui est sympa. Je vais te demander de mélanger les cartes. Alors, là, je peux pas, donc. Ou je mélange moi. Donc, il faut dire que c'est un vrai jeu mélangé par le spectateur. Ça s'appelle pas mélangé par un spectateur, aucune triche, même si c'est moi qui mélange là. Voilà, et c'est mélangé. Si tu veux couper, voilà la rigueur. Ça, je peux le faire. Voilà, plusieurs fois. De toute façon, dans tous les cas, on s'en fout, puisque je vais sortir une prédiction de toute manière qui va être faite à l'avance. Donc, quoi que tu fasses, ça ne changera rien. Et ok, voilà. Super. Alors, je ne sais pas si le jeu est complet. Il n'y a pas le joker dedans. Il doit en manquer quelques-unes. Alors, je vais sortir une petite prédiction. Non. Alors, il est peut-être pas complet. Peut-être. Tu préfères les cartes rouges ou tu préfères les cartes noires? C'est pareil, rouge. Allez alors, je vais sortir ça comme prédiction. Ouais, je vais la laisser là. Regarde, juste sous le tapis. Ok. Ok. Ce que je vais te demander, Thierry, c'est que je vais te donner le jeu face en l'air, comme ça. Ouais. Et tu vas poser autant de cartes que tu as envie sur la table. Comme tu les poses, comme ça, comme tu as envie. Et quand tu as envie, tu t'arrêteras. Tout simplement, de façon à faire deux tas, un petit et un grand. Mais vraiment quand tu as envie. Difficile avec la caméra, mais je peux aller où je veux. Tu te... Ah, où tu veux. De par deux, tiens, de par deux. Ah, comme tu as envie. Tiens, je m'arrête là. Voilà, c'est toi qui décides. C'est bon, tu veux pas aller plus loin? T'es non. Sûr, hein, parce qu'après, tu peux me dire, ouais, peut-être que... Allez, deux de plus. Mais ça veut dire que j'étais influencé. Pas tu veux du pas tout. Les remettre, tu veux non, pas. Non, sûr, non, on s'arrête là. Nickel. Très bien. Hop. Donc tu as fait ouais, un petit tas et un gros tas. Oui. Tu préfères qu'on travaille avec le petit ou avec le gros? Avec le petit. Tu veux pas changer? Non, non, on commence par le petit. Est-ce que je peux demander de retourner ma prédiction que j'ai mis là? Un 3 de carreau. C'est un 3 de carreau. Oui. Et ce qui est bizarre, c'est que si on épelle 3, T-R-O-I-S, on tombe également sur un 3. C'est fou. Déjà pas mal. Je crains le pire parce qu'il reste deux autres tas. Non mais vas-y. Et tu te rappelles que je t'ai demandé si tu voulais aller plus loin, couper. Tout à fait. Et ben, regarde, si on regarde sur le deuxième tas, on a également un 3. Tasse. Et là où c'est bizarre, 3, ouais. C'est que sur le quatrième, comme tu as compris, tu avais également un 3. Oui. C'est fou. Pas mal. Dur à remonter. Bizarre, hein. Bizarre. Compliqué ou pas compliqué? Non, c'est quasiment automatique. On peut dire automatique. Hop. Personnellement, j'adore. Ben merci Jérôme. Eh ben de rien, maintenant à vous de jouer.